Il y a des tuyaux. Tu vas te faire écraser. Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmier. Abonne-toi, mon petit palmier. Hey, coucou. Moi, c'est Nadej Cordedel. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tout nouveau jeu qui est un peu dans l'univers et bien de Poppy Playtime ou de Garten of Banban. Ça s'appelle Playtown. Playtown, c'est un peu la ville de jeu et ça se passe dans une garderie d'enfants, mais avec des monstres psychopathes et des choses creepy et une histoire étrange qui fait peur et tout. C'est une nouvelle aventure. C'est un jeu exclusif sur ordinateur. Trop cool. Si vous aimez ces jeux un peu dans l'ambiance Garten, Poppy et tout, restez bien là puisque ça va être un jeu vraiment bien. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, clique sur j'aime. Et également abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit, tu rejoindras la Max Family, vous êtes de plus en plus nombreux, donc cœur sur vous. Playtown, c'est maintenant, suis-moi. Oh yo. Et voilà, on est dans Playtown. Oh, ça a l'air joli. Oh, ça ressemble vraiment à Poppy Playtime, hein. Le sol, déjà, trop. Les murs, les portes, on dirait un petit Poppy Playtime. C'est le père de Claire qui dit Claire, oui. Playtown a été fermé. Mais papa, j'ai perdu mon collier là-bas. Celui que maman t'avait donné. T'es sérieuse? Elle aurait été vraiment triste si elle avait encore été parmi nous. Oh, c'est triste! Oh, elle a perdu son collier dans la Playtown. Oh. Ah! Qu'est-ce que c'est? Un monstre? Un monstre comme... Oh, Playtown. Oh, ça commence! On est là, donc on peut sauter, on peut s'accroupir. Qu'est-ce qu'on... Oh. C'est joli, il y a des petites particules dans l'air. Coucou, c'est de la poussière. Bah oui, parce que là, Playtown a fermé. Mais on doit chercher le collier de sa fille. Mais forcément, bah on est tout seul. Bon, est-ce que je peux prendre les objets? Non, je peux sauter sur la... Waouh, c'est bien fait, hein, c'est tout fluide et tout, j'aime beaucoup. Les toilettes. Fermées, pour rien faire. Bon, on n'ira pas aux toilettes, tant pis, hein, j'espère qu'il n'a pas besoin d'y aller. Ici, bonjour, c'est la Nadej Cordedel, bienvenue dans Playtown. C'est fermé. Rentrez chez vous, coup de palmier, coup de palmier. C'est moi qui fais la sécurité ici. Bon alors, cette vitre, hein, souviens-toi, bois de l'eau. Ok, est-ce que ça s'ouvre? Moi, ça s'ouvre. Une fois que c'est ouvert, on ne peut pas refermer. Bon, c'est bon à savoir, hein. Qu'est-ce que c'est? Tourne ce bouton pour activer quelque chose. Mais on sait pas quoi. Oui? Ça a ouvert quelque chose, je crois. Oh, ça a ouvert cette porte. Est-ce que... On peut pas faire du xylophone. Est-ce qu'on peut utiliser les ordinateurs? Est-ce que je peux pousser la chaise? Non. Il y a écrit quoi sur l'ordinateur? Rien? C'est bizarre. Bon, laissez-moi. Ah! J'étais coincé par la chaise, elle est trop folle, elle. Pourquoi on n'arrive pas à lire? Il y a écrit User Local Hello World. Bonjour le monde. Ok. C'est quoi cette petite table d'enfant? C'est mignon. Souviens-toi, bois de l'eau, ok. Mais on peut pas, hein. Je peux pas boire de l'eau. Bon bah j'y vais, hein. Tant pis. Ils veulent pas me donner de l'eau, alors on y va. Est-ce que les autres portes, elles s'ouvrent, tiens? Est-ce que je peux courir? Oui. Non, ça souffle pas, et là... Oh non, ça souffle pas. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à galérer pour trouver son chemin. Ah, j'ai cru qu'il y avait du ketchup sur le... Mais non. C'est quoi? Un canapé? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est beaucoup moins pratique pour s'asseoir, là, dis donc. C'est pas comme ça qu'on met un canapé. Non, mais j'y crois pas. Bonjour. Quoi? La plaie... C'est quoi ce bruit? Pourquoi il y a des petits jouets, là? Coucou. Ah! Pardon. Oups. Désolé, pas fait exprès, j'ai renversé tous les jouets. Donc on a le training des employés, donc l'entraînement des employés. On a la Steg Area, la zone Steg. Et la Playground Area, la zone de jeu. Eh bien moi j'ai envie d'aller jouer, mais d'abord, je vais faire tomber cette petite figurine. Parce que c'est rigolo, on n'est pas sur les tables, Norbert. Je fais la professeure. Alors, Playground, Crystal Machine. Qu'est-ce que c'est? Il y a un arc-en-ciel. Il faut prendre les cristaux ou il faut mettre les cristaux? Je crois qu'il faut les mettre. Ouais, il faut les mettre. Il faut trouver 3 cristaux. Alors, ici. Hein? Mais je suis dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Bah non! Ça va pas ou quoi? Me faire peur comme ça avec un monstre géant. Regardez-moi ça. Ça va pas du... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde avec son œil, c'est vraiment creepy. Mais c'est une peluche. Bon bah moi je m'en vais. Je peux pas faire ça. Bon, comment je fais? Parce que lui il est coincé là maintenant, il m'a vu.
Je peux pas aller là? Non. Et là? Non. Bah alors? Bah alors on est obligé d'aller sur lui ou quoi? Attendez. Ah oh, on est où là? D'accord. Donc on doit refaire. Très bien, je vais refaire. C'est pas un problème. On va faire le tour. Et on va aller là. Hein. Voilà. Ok. Ensuite. Ici. Sup. Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Une dent de dino! Qui a fait ce bruit? Quoi? Qui c'est qui crie? Je te pousse! Il faut faire la plateforme? Et il se passe. Ok. Ok. Mais il faut attendre que ça vienne. Il faut que je récupère des bouts. Là-bas, il y a un truc à récupérer, je suis sûr. Je peux aller là? Bah non, alors attendez. Whoopi! Yippie! Ouais! Wouhou! Bon, c'est assez facile, hein. Moi, j'ai déjà fait plein de fois des parcours, donc j'ai pas de problème avec ceci. Mais comment je fais pour aller là? Pas possible! Bon, c'est pas grave. Je vais aller par là. Ok. Et ok. Oh! Ouah! J'avais pas vu que la plateforme, elle bougeait! Oh, mais non! Pourquoi il me met là? Faut que je fasse tout le tour à chaque fois. Il est où, lui? Il va être là? Bah, il est plus là. Il a disparu, le dinosaure. C'est triste. Il était mignon, tout vert comme ça, couleur palmier. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on retourne dans cette zone ici. Et j'ai la dent, donc c'est bon. Ouah! Mais arrêtez de tourner, là! Oh, oh, sont vraiment énervants. Tu viens? Ploup. Ok, ici, ici. Là, on attend. Bon, voilà, clairement, je peux pas y aller. Hein. Donc ici. Là, ici, là, ici, là, ici, là. Mais ça tourne. Regardez. Wow, hop là! Bien sûr! Voilà! J'ai pris la deuxième dent! Je peux aller là où il y a une vitre? Je vais aller là! Oui, c'est bon! Troisième dent! J'ai trois dents! Je peux aller là? Bonjour! Ah, c'est lumineux! Waouh! Quatrième dent! Ah, il faut trouver! D'accord, 10 dents. J'en ai 5. Ok. Alors, 5. Là, il y a une roue à tourner. Je peux pas la tourner. Je cherche encore 5 dents, vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup. Je peux pas aller là, bizarre. Non. Une piscine à boules. J'adore. C'est trop bien fait. Regardez, wouhou. Je peux m'accroupir? Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. On va aller par ici. Il me reste 5 dents. Attendez, on va voir combien on en a. Il y a des distributeurs. C'est rigolo. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai que 5. Il m'en manque 5. Bon. Je sais pas où elles sont, moi, les 5 dents. Puisqu'ici, il n'y a rien. Ah! 6. Il m'en reste plus que 4 à trouver. Bah super. Là, il y a rien dans les poubelles, il y a rien. Là derrière les arbres. Non, il y a rien. Bon, c'est sûr que dans les jeux, il y en a parce que là, c'est pas possible. Attendez, je mets la 6e. Voilà, je vais vite aller voir là, sinon je retourne en arrière parce qu'ici là-dedans, il y a rien, là, il y a rien. En haut, il y a rien. Ici, ah bah, je peux pas y aller. Là, j'ai tout en... Ah là! 7e! Ok! Et pourquoi je peux pas... Bah voilà! Je savais que je pouvais grimper! Mais pour rien. Bah, c'est pas grave. Si! 8e! Il m'en reste que 2 à trouver! Alors attendez. Elles doivent être par là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible! Là, y a rien... Poussez-vous, je suis sûr qu'il y en a une dans la piscine à boules. Ah, là-bas!
9e. Il m'en reste plus qu'une à trouver. Bah dis donc, elle s'était bien cachée. Oh, elle est là-bas, regardez, j'ai trouvé. Elle est sur une plateforme. Alors, j'y retourne. On va ici. J'attends un peu. Ok, là. Et hop là, ça y est, je l'ai. Allez, je retourne en arrière. Voilà, c'est bon, on va placer la dernière dent. Tiens, mon petit dino. Steg. Ouais, ça a alimenté la roue. Donc j'ai... Oh, j'ai le cristal violet. Trop beau. Et pouf, j'active ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça a dû activer quelque chose. Ici. Non, là-bas. Non, mais ça a peut-être ouvert une porte là-bas. Faut peut-être que je retourne en arrière. Oui, ça y est, j'ai enfin réussi. C'était compliqué, hein. Ça fait au moins 10 minutes que j'essaye de refaire le parcours en arrière. À chaque fois, ça bug. Bon, je vais mettre le premier cristal, si je peux. Et je vais aller là où ça s'est ouvert. Parce que là, je peux toujours rien. Là. Je peux... Oui, j'ai mis le cristal. Et maintenant, je peux aller dans le Steg Area. C'est quoi le Steg Area? Steg Lake, le lac de Steg, la cave de Steg. Non, bah alors je vais aller au lac de Steg. Waouh, wow. Il y a des tuyaux. Ah, d'accord. Mais alors je fais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah. Comment je sais quels tuyaux sont les bons? Bon bah, il suffit juste de faire au pif. Donc droite, gauche, droite, droite, oui, gauche, gauche, j'imagine droite. Bah non, mais comment on sait? C'est l'heure du mot mystère. Le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'est peluche. Parce que le monstre, on dirait vraiment une peluche, il est tout mimi. Bon, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, gauche et droite. Oh non, c'est que de la gauche à la fin. Voilà, que de la gauche. C'est bon. Il s'en va. Il a eu peur de moi, mais j'ai ramassé tes dents. Bah, il était où? Mais c'est pas possible. Y a pas de... Je comprends pas comment il a fait. Il a disparu. Waouh, il y a une jolie étagère avec plein de jouets. Bonjour. Et comment je fais pour passer? Bah, je vais juste dans l'eau. Ouh, ah non, il y a des cailloux, alors attendez. Ploup. Oh, il fait trop peur. Oh, il fait méga peur. Il attend qu'une chose, c'est que je tombe dans l'eau. Bah non, je tomberai pas dans l'eau. Creepy. Oh, oh, comment il me regarde, lui. Il est trop fou. Et hop. Non, 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 non. Oh, ploup. Voilà. Il a disparu. La maison de Steg est fermée à cause d'une fuite de gaz. Oh, c'est dommage. C'est quoi cette goutte d'eau? Ah, c'est bizarre, hein. Allez, on y va et on tombe pas dans l'eau. Attention, j'ai pas envie de mouiller mon palmier. Bien. Comme ceci. Oui. Voilà. Mais alors, là, j'ai pas compris vraiment comment j'ai fait, hein. C'est vraiment du hasard. Est-ce que je peux avancer tout droit? Ah non! Droite, 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 gauche, droite. Oh non, c'est gauche, gauche. C'est bon, j'ai gagné. Ne vous inquiétez pas à propos de vos enfants, tout est sous contrôle. Il est là-bas, il m'a regardé. Trop chelou. Oh, des dents encore? Bah ouais, faut encore récupérer les dents. Bah, mais combien il en a, lui? Je lui en ai déjà récupéré 10. Hein, c'est quoi? De la viande? De la viande crue? Faudra la faire cuire? C'est un jeu de cuisine? Oh, 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 n'importe quoi. Bon, j'ai récupéré dedans de la viande. Ici, y a rien. Est-ce que je peux être dans la cave? Est-ce que je peux... Il faudrait que j'allume ça? Mais... J'ai rien pour allumer, moi. J'ai pas de briquet. Est-ce que vous croyez qu'il faut que j'aille dans la cave? J'ai peur. Si j'y vais, je suis sûr que le monstre, il va me sauter dessus. Bon, bah j'essaye.
Mais je peux pas. Bon, eh bien, je crois que là... Faut que je retourne en arrière. Mais c'est bizarre. Je suis venu juste ici pour prendre de dedans et du... C'est bizarre. Ah là, regardez, il y a un briquet. Ploup. C'est bon, j'ai compris. Maintenant, je peux allumer le feu. Ouais. Ouais. Et j'ai mis la viande. Oh. Ça attire le... Le monstre? Faut que je retourne en arrière? Ah! C'était quoi? J'avais noté! Ah! J'ai pas été assez vite! Ah, c'est bon! Donc c'est gauche, droite, droite, gauche! Donc c'est gauche! Mais quoi? C'est pas la même chose à l'envers? Droite! Gauche! Gauche! Droite! Et après c'est droite! Gauche! Droite! Et gauche! Je prends le cristal! Et je m'en vais! Salut, loser! Ah, il retourne en arrière! Et bah, tu fais bien! Bien, bien, bien! Donc, je retourne ici! Je vais placer. Le cristal numéro 2. Et cette fois-ci, on peut aller dans le training des employés! Oh! Il est là, le cristal! Bah, voilà! J'ai le diamant rouge! Je vais aller le placer tout de suite! Y a pas d'épreuve à faire et tout! Ça, c'est trop bien! Ah, c'est parce que c'est pas celui-là. Bon, d'accord. Alors, attendez, j'ai un diamant. Qu'est-ce que je fais avec le diamant? Je rentre là-dedans? Ouais. Oh, quoi? On tient à vos vies. Avant de commencer l'entraînement, il y a 3 choses que je dois vous dire. 1, il n'y a pas de retour. 2, n'essayez pas de tomber dans la lave. Et 3, n'essayez pas de... Mais on n'arrive pas à lire! Bon. Tiens! Scanne-moi le diamant rouge! C'est bon? Oui! Ouverture du store! Bonjour! Challenge numéro 1. Le sol, c'est de la lave. Oh oh! Excellent! Oh! J'ai pas sauté! C'est pas excellent de pas sauter! Hop là! Et hop là! Et hop là! C'est un jeu de parcours. Oh, difficile. L'écart entre les plateformes. Il saute pas toujours quand je lui dis. Vous avez vu? On a entendu que j'ai touché la touche et qu'il a pas sauté. Oh, faut que j'aille plus doucement parce qu'il arrive pas à enregistrer ma pression du saut. Et là, faut vraiment prendre l'angle et l'angle. Et hop, l'angle et l'angle. Sinon, vous y arrivez pas. Ok. Oui. Comme ceci, comme ceci. Oh! Mais il a pas sauté! Qu'est-ce que c'est? Challenge numéro 2. Les lions ont faim. Mais c'est qui les lions? Faut que je prenne à manger là? Take a break. Mais c'est quoi le challenge numéro 2? Je vois pas de lion. Ah, mais c'est là! Bah. C'est qui ça? Faut que je descende. Pourquoi il y a un squelette? Les pauvres, ils ont été mangés. Comment on fait? C'était quoi ça? Trop peur! Il était là, il me regardait. Challenge numéro 3. Des trucs qui tombent. Bon. Comment? Ah là! N'importe quoi. Mais ça fait... Mais d'accord, mais alors... Vous allez pas m'écraser quand même? Et qu'est-ce qu'ils font, hein? Une petite réunion Tupperware? Bon, ça fait même pas peur. Tiens, voilà, scanne-moi le diamant bleu, rouge. Ah, je me confonds. Oui, c'est ouvert. Et ça va être ouvert. Youhou! Et hop là, qu'est-ce que c'est? De la lave? De la glace? Il y a aussi des... Ah! Tu vas t'en, tu vas te prendre le... Oh non, le pauvre! Il va se faire... Bah viens! Je peux pas bouger! Tu vas te faire écraser... Oh! Bah le pauvre! Youhou! Ça va? Tu vas bien? C'est pas moi, hein! Je suis désolé, mais c'est pas moi, moi je t'ai donné les dents! Coucou! Est-ce que tu vas bien? Il fait quand même un petit peu peur, hein? Bon, on va y aller! C'est pas de ma faute, je vais le laisser tranquille! Bah...
Faut que j'aille en haut ou quoi? Ah non, le bouton! Ploup. Voilà. Ça fait quoi? J'ai pas compris. Oh! Ça m'a donné ceci. Voilà, j'ai le cristal orange. On retourne en arrière et on va mettre le cristal orange. Allez hop. Eux, on leur dit au revoir. Bye bye. Ici, y a rien de particulier. Ok, l'enclume peut tomber. Ici, j'ai pas compris ce qu'il y avait, mais je vais éviter de marcher sur le ketchup par terre, hein. Voilà. Ok. Ici. Et ensuite, faut refaire la lave. Très bien. Doucement pour pas tomber. Ici. Là. Comme ceci. Comme cela. Youpi! Hop là! Oui! Encore une fois, c'est gagné! Bien! Maintenant, je vais aller placer le cristal orange. Pardonnez-moi, excusez-moi, merci, bonjour! Je ne fais que passer. C'était où déjà? Là? Et ploup! Ouais! Je peux activer ça! Ça ouvre la porte? Oh! Ça a ouvert cette petite porte! Qu'est-ce que ça dit? Monsieur Humtemp? Mais c'est un chameau! Bonjour! C'est qui le chameau Humtemp? Comment je fais pour passer? Je peux pas passer. Mais ça a ouvert ici, mais pour rien! Ah non! Voilà! Il faut trouver la petite poignée. Voilà, voilà. Ici, Steggy! Ok, il y a Steggy. C'est quoi cette bouteille? L'élixir de Steggy. Oh! J'ai bu l'élixir de Steggy, qu'est-ce qui m'arrive? Ma vision se trouble. Oh, je suis où? Qu'est-ce que je fais enfermé ici? On dirait que je suis à l'infirmerie. Laissez-moi sortir, c'est tout bleu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Y a quoi ici? Là, y a rien. Bois de l'eau, bah j'aimerais bien. Les ordinateurs ici, ils fonctionnent pas. Là, y a un soleil. Soleil, soleil... On est où là? On est à l'extérieur. Ah oui, on était à l'infirmerie. Et là, on est à l'extérieur. Il y a écrit quoi? C'est tout effacé. Faut que j'aille là, je suis la route. Ok, il y a du brouillard, mais c'est joli. C'est... Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est ma famille? C'est des souvenirs? Qu'est-ce que c'est encore, cette histoire? Oh! Emmenez vos enfants à Playtown. Bah oui, mais... Je cherche mon collier. Voilà, je traverse les photos holographiques. C'est rigolo, c'est bien fait. Hein. On a l'impression qu'il est endormi, que c'est dans un rêve ou un cauchemar, ou vous savez... Un verre d'eau. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au juste? Un lampadaire. Encore un lampadaire. La mère, elle a disparu. Ça, on l'a appris dans l'histoire au début. Ah, je vois une maison là-bas. Il y a beaucoup de réservoirs d'eau. Ils boivent beaucoup, les gens, ici. Oh, je peux même pas passer en dessous. Il y a des pneus. Et... Qu'est-ce que c'est? C'est une cinématique. C'est un ascenseur. Ah! C'est un œil géant. Qu'est-ce que c'était? Oh! C'est la fin! C'est la fin du début, parce qu'à mon avis, il va y avoir une suite. Waouh! Bah écoutez, c'était plutôt pas mal, j'ai plutôt bien aimé, super! Et voilà qui termine bien ce jeu Playtown, franchement il était super sympa, il y avait du challenge, il y avait des monstres, il y avait des jumpscares, il y avait des énigmes un petit peu, j'ai adoré, ça promet pour la suite, j'espère que ça va vite être mis à jour avec la suite de l'aventure, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Si ça t'a plu, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne, merci! Bisous bisous mon petit palmier! Bye bye!